Yo tout le monde, c'est Killer, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite des Malaises TV. Donc comme vous pouvez voir, ce n'est pas Martine qui est avec nous, parce que du coup Martine n'est plus rousse, hein, elle s'est transformée en brune. Non, c'est Nosfé qui est avec nous. Déjà, comment tu vas, Nosfé? Ça va bien, et toi? Bah oui, ça va très bien. Donc du coup, c'est la première fois qu'il fait ce genre de vidéo. Soyez indulgents, ne soyez pas tout de suite à lui sauter au cou, c'est dégueulasse. Donc du coup, vous allez vous demander, mais pourquoi il n'y a pas Martine? Kiki, d'habitude, tu fais les pires musicaliers et tout ça avec Martine. Martine, tout simplement, a décidé de s'éloigner du groupe. C'est son truc personnel, j'ai rien à dire par rapport à ça. Du jour au lendemain, j'ai pas eu spécialement de nouvelles de lui. Donc du coup, c'est son choix, je vais pas aller le forcer ou quoi que ce soit. Voilà, et je dois continuer ma chaîne YouTube, je peux pas m'arrêter de faire du gangbis, de faire du viscera, de faire les Malaises TV, les pires musicales, je peux pas m'arrêter sous prétexte que Benjamin n'est plus là. Donc du coup, peut-être qu'il reviendra par la suite, j'en sais rien. Moi, je continue mon épopée, mais voilà, je me suis dit que c'était important de vous préciser parce que je pense que vous allez vous poser la question au fur et à mesure. On le voit plus sur la chaîne, donc voilà, maintenant, affaire résolue. Donc on va passer aux pires vidéos, on en a sélectionné. Il y en a combien? 9? Facile. Je crois qu'il y en a 9. Mmh. Donc du coup, il y a 9 vidéos sélectionnées. Mmh. On va se regarder ça ensemble. Je pense que à la fin, ça va être très malaisant. C'est les pires vidéos. J'ai sélectionné les pires vidéos françaises parce que j'ai eu des soucis avec les networks américains. En fait, il y avait des vidéos américaines sur l'ancien Malaises TV et le problème, enfin sur les pépites de YouTube, c'était ça le nom exact. Et en fait, malheureusement, sur certaines vidéos américaines, il y a un network des fois qui se permet d'arriver, tu sais pas d'où, et le mec, dès qu'il y a un Vine ou dès qu'il y a un truc en rapport avec les États-Unis ou quoi, le mec te chope et sans déconner, il m'a mis plus de 43 signalements sur ma vidéo les pépites de YouTube. Du coup, la vidéo n'est pas du tout monétisée. Donc, j'ai essayé de parer le truc, sauf que le mec, j'ai 43 signalements. Donc, essayez de parer 43 signalements et je peux rien faire. Il y a énormément de YouTubeurs qui ont ce problème-là avec certaines vidéos américaines qui se font démonétiser. Donc, tant pis, c'est pas grave. On va essayer de sélectionner des vidéos françaises, mais s'il y a des vidéos américaines qui sont assez drôles, je les laisse parce que bon, ça sera quand même des pépites. Donc, est-ce que t'es prêt, mon petit Nosfé? Oui, ah, je suis prêt. Que bah, du coup, Marine prenait moins de temps pour elle. Bah, c'est elle, elle attendait un bébé là. Non. Non, non. C'est gentil pour elle. Un peu ce qui se dit à la radio. Oh, le rec. Un peu, mais plutôt comme ça, vous savez. Pas les oreilles. Les oreilles comme ça. J'ai eu un chien comme ça. Alors là, mais il est malade. Ah non, mais lui, il était fou sur le plateau, il était zinzin à chaque fois. C'est le mec qui termine à la fin. Bah on l'a piqué. Non mais attends, il fait quoi? Ah, c'est une basse-cour le plateau. Mais... c'est quoi ce bordel? Il y a des chiens, des chats, des moutons. Ouais, bah oui, c'est celui qui est resté, je crois, plus de 8 mois au... à l'émission. Oh, l'émission, messieurs dames. Ah, et puis ah. Il est quitté. Alors. Je ne vous oublie pas. Non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie. Et je vous retrouverai. Ouais. Question d'autorité. Vous savez qu'on garde le mec, il se demande, mais putain, mais casse-toi. Le mec, il fait non, mais t'as gueule. T'es prévu la question? Où est-ce que je peux l'emmener en voiture? Hein? De quoi, quand t'as une copine? Où est-ce que je peux emmener une fille en voiture? Où est-ce que tu peux emmener une fille en voiture? Oui. T'as rien, moi, pourquoi? Mais déjà, moi, j'ai déjà vu. Mais t'as pas le permis. Faut que tu trouves une fille qui sache conduire, déjà. Ah, non, mais t'as pas le permis. Excuse-moi, mais lui, il fait bien la télé, mais il a aucun charisme. La tête que t'as faite. Ça va, Mathieu? Non mais... complètement nul. Mais c'est la génération de Mathieu. Comment je fais pour la faire rire? La fille? Oui. Ah, je suis pas très doué pour ça, vas-y, dis-moi. En tout cas, je m'habille pas comme toi, j'ai pas envie d'être le con. Oh, mais il est d'une humilité, ce gamin! Ah, oui, oula, attends. Ah, ouais, pose-toi une assise plutôt, peut-être. Oh non! Ah non! Ah oui! Ah oui! Alors ça! Alors ça! Voilà. Tout le monde debout, sauf qu'en fait, ce sont. Ce sont que des personnes en chaise roulante. Donc ce passage est mémorable. Ah, c'est pas Miss France quand elle s'est rétamée? Paix! J'ai attendu ça tout le long de Miss France, c'était affreux. Les jeunes de l'association 1000 visages. Ah, ça m'énerve. Alors ça,
Ça, ça me gonfle, j'ai envie de te les claquer. Et l'autre, il est en train de faire son travail, arrête de le faire chier. Ça m'énerve, ça. Oh les mains, peau de lapin. La maîtresse sans foyer de ça. Ah, quelle chanson incroyable. Ah, ça, tu t'ambiances hein, pendant les soirées. Ah oh, bah alors là. Qu'il avait renvoyé lui seul à terre. Dans un esquive. Ça a l'air nerveux, ça. Qui est là ? Avec l'ordre de dire au père de son maître qu'il emmenait son fils en Alger, s'il ne lui envoyait tout à l'heure. J'espère que c'est pas le livre du mec, pas bien. Hein. Grave. Ça, sans écu. Voilà mon ladre. Mon vilain. Le roulement de Nanaï. Grave. Et la tendresse qu'il a pour son fils est un combat. Mais qu'est-ce que je fous là, bordel ? 500 sécu qu'on lui demande sont justement 500 coups de poignard qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre. Elle parle d'un mec qui s'est pris 500 coups de poignard. L'autre, elle mordait par le bon putain, 500 coups de poignard. Lui fait trouver 100 moyens. Je viens de sortir de l'Asie il y a à peine une semaine. Regarde le mec, il est pas bien. C'est drôle, c'est drôle. C'est drôle. Je vais prendre le calepin là. Non. Avec sa banque. Mais ça arrive, ça arrive. Non, mais non, en fait, tu vois, parce que ça a marché la première fois et après, ça m'a dit le truc est incorrect ou je sais pas. Il y a un point d'exclamation genre à côté de son moyen de paiement, on sait pas pourquoi. Alors que tu vois, juste là. Il y aura plus de déxité, il y aura plus rien. Ça va manger des pâtes là. Ouais, du coup, en tout cas, ouais, je pense vraiment que leur système, il est clairement, il devrait. Oh, le blanc. Que sabotage matériel sur des engins Vinci, c'est quelques, je sais pas, par rapport à la loi travail, oui. Par exemple, en ce moment, la violence des manifs, c'est quelques vitrines brisées et encore des vitrines de banques. Moi, franchement, les banques, ça me touche pas, quoi. Enfin, je vais pas. Bon. Par contre, la violence de l'État, la violence institutionnelle. Bon. C'est juste les là. Ouais. Canon. Moi, j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque. Et quand je parle de ça claque, pardon, Seigneur, ça me fait penser à une petite levrette. Pardon, j'ai été trop loin. Mais il est malade. Ouais, non, c'est un collègue probablement qui... Ça claque, ça claque. Ah, celui-là, on l'avait vu. Bah, il avait une vie un petit peu compliquée, il a divorcé, etc. Commencé à picoler, puis un jour, le téléphone a sonné, réquisition, ça s'appelle, puisqu'on est requis par le procureur pour aller chercher, pour aller chercher le corps. Et puis l'adresse, c'était chez lui. Il s'était pas pointé au boulot, il s'était pendu. Voilà. C'est vrai. Oh les cons. C'est impossible là. Et quel est le con qui a mis cette musique sur la radio? Ah le con de la régie. Mais. En plus, c'est un stagiaire. Mais ça. On vous souhaite un joyeux Noël. Bonne année. Vite fait ton cadeau, Mimi. Ah oui. Elle est jolie l'étoile. Elle est grande. Il y a le rite de la bifle. Alors la bifle, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est gifler une fille avec sa bite. Voilà. C'est pas très convivial. Enfin, comme accueil, on fait mieux quand même. Hein. Comme accueil, on fait mieux quand même. Hein, Michel. Hein, Michel. Oh, quand t'es à l'internat pour dire bonjour à un petit bifle. Eh, n'empêche, il bouge bien son outil, hein. Eh, il tourne bien, hein. Mais c'est malaisant, hein. Ah, puis le sourire du plombier. Mais remontez-moi ce slip, nom de lieu. Il y en a marre au bout d'un moment. Je l'ai déjà vu, ça. Oh. Hey, wesh, alors. Hey, wesh, alors. Je suis en chaleur. Wesh, alors. Madame Ries, pourquoi vous embêtez les messieurs? Pourquoi vous embêtez les... Ta gueule, salope. Va te faire enculer. Ça te donnera des couleurs. Regardez comment elle parle. Ah, oh, celui est excellent. Oh là là, alors celui-là, celui est incroyable. Pourquoi vous me détestez? Ferme ta gueule, salope. Ah, oh, c'est lui. Ferme ta gueule, salope. Mets-toi au cul, ça te fera des couleurs. Je pense que ma pépite préférée, là, reste le ferme ta gueule, salope. Ferme ta celui-ci. Gueule, salope. Ah, celui-ci, mais pourquoi vous ne m'aimez pas? Pas à la vie. Celui est excellent. En plus, tu sens qu'elle est vénère, elle se lève d'un coup, là. Alors, ah, toi... je croyais qu'elle allait lui mettre une gifle, hein. Oui, mais quand elle a commencé à se lever, elle l'a fixé. Je suis oula, oula. Oh, nom de Dieu. Ah, oh, grave. Franchement, celui-là était excellent. Alors, t'es le ferme ta gueule, salope. Ça te redonnera des couleurs.
Ah, excellent. Oula. Ah oui, alors là, t'es pas bien. Oh ah, non. Oh ah bah oui. Ah, mais enlève-le. Il m'enlève pas, il aime ça ou quoi? Il est au téléphone. C'est un pigeon géant, c'est quoi ce machin? C'est une tête de bien. Pigeon géant. J'ai pas bien vu ce que c'était en fait. Extrêmement mal. Ah, c'est pas les trucs de relooking? Ah si. Ah, c'est le tatouage. Ah, oh putain. Oh. Oh, ça c'est pas cool ça. Ah ouais, non, c'est pas cool du tout. Oh, le malaise. Oh la vache. Oh. Après, tu portes ça sur toi toute ta vie, hein. Après, ah, ouais. Il faut le faire des tatoués, mais bon. Oh, le gorille, c'est devenu son poteau, ouais. Oh, trop mignon. Oh. Encore une autre. Le jeune homme en a oublié l'essentiel. Ah oui, je l'ai vu ça. Ah, c'est le truc de YouTube. En plus, c'est un youtubeur qui commence à être un peu connu. Là. Et en fait, je crois qu'il était fan d'une meuf, je crois qu'il s'appelle Adèle ou je sais pas quoi. Elle a fait un sketch avec des pattes, je sais pas quoi. Adèle, ouais. Et du coup, bah, il lui a filé ses pattes. Tu pourras aller manger ce soir, je pense. Comment ? Ouais. Mais merci en tout cas. Bisous. Comment elle marche ? C'est pas possible d'être aussi cambrée, elle va se faire une. Elle va finir tout un plaisir, tu vois, ce malheur. C'est quoi cette fille? C'est sa robe qui est... Il y a un problème. Ils sont crus dans un ring de catch ou oh quoi? Mais là, oh là là, les caguilles, attention, les pommes, les fruits, les poires, les... T'as voulu me piquer mon concombre? Hein? Oh là là. Oh là là, mais arrêtez là, vous voulez... Alors là... Là, elles vont payer, hein, je te le dis, mec. Hein. Le mot, il fait mal. Culotte de cheval. Un cheval, ça a des... c'est un gros. Je pensais pas avoir un gros. Ah, bah ça... Non, t'as pas de jolie face, t'as de la culotte de cheval. Mel, on est à Miami, ici. Il faut à tout prix que tu fasses attention à toi. Ah oui, faut arrêter de manger des bueno. Et puis c'est tout. Va dire ça à cette meuf. Dis donc, grave. De cheval, t'as un gros cul, hein, dis donc. L'enfant diable. Pas comme ouais, déjà vu. Ça doit se passer comment? Le gosse, moi je te fous une tarte. Mal. 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 Le démon sera là. Ça veut dire quoi ça? Ça doit se passer mal. Je vais t'étrangler. Mais là, mais viens. Viens. J'attendais de voir ta réaction. Oh la honte, l'autre. T'as fait un petit pas de danse, il a défoncé le. Grave. Fais. Salut Jean-Bromain. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Oh. Papi te dira la même chose. Ok. Donne-moi un coup de canne, oh. Tu prends un coup de thé. Quoi? Tu vas leur sentir la canne. Donne-moi un coup de canne. Mais fais-toi, hein. Vas-y, mets-moi. Et dans le sens de la longueur, mon petit modem. Tiens, mon salaud. J'ai même pas qu'il avait un enfant. Qu'est-ce qu'il a? Ah, tu me le donnes, hein. Ah, mais il a des menottes. Ah, mais oh, la honte. Allez hop, on attrape par le slip. T'as des quoi tomber? Il va tomber, le flic, là. Oh, il remonte par le calme. Ça m'éclate. J'aime ça. Enlever deux maisons. Le qui on avait le permis et tout ça, et puis en fin de journée, ben, je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise, quoi. Aux dernières nouvelles, apparemment ça s'arrangerait avec le patron, le propriétaire et tout ça, ce que j'espère que ça va s'arranger. En fait, les indications au départ n'étaient pas précises. En fait, si tu remarques bien, le bon, ben, la tête voilà, de l'une on y va, peu, on avance, faut travailler. On... Moi, je travaillais. Et apparemment, ben voilà. J'ai pété la mauvaise maison. La mauvaise. J'ai pété la mauvaise maison. C'est vrai que c'est bon, une petite maison blanche et petite l'autre, blanche. C'est une petite aussi.
Je l'ai démoli, j'ai vu ça aussi. Sur Facebook pour monter une petite horde de maghrébins contre moi. Je ne suis pas un ami identitaire. Je commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de. Non, non, tu me respectes pas. Non, je respecte pas. Non. Oh l'éclat! Je ne peux pas manquer de respect par cette petite merde. Il n'en est pas question. Jamais. Bon. Ça avait l'air de l'énerver. Dominique, tout simplement. Il sait faire que ça, le mec, en fait. Ah non, mais c'est les Russes. Les dindons font la ronde autour d'un chat mort. Oh la secte! Outlast! What? Bro, this is wild. Nous sommes ici pour Michel, chat meurt. Chat écrasé par une voiture. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Là, on en est, sans mentir, à 1h11 et 47 secondes. Déjà ? Ça passe vite, hein ? Il est déjà 16h quand on termine cette vidéo. Ça passe à une vitesse, dis donc. Oh mon dieu. Donc, moi, de mon côté, je vais faire le tri des bonnes et des mauvaises vidéos parce que je pense qu'il y en a certaines qu'on va peut-être pas laisser, hein. Attends, c'est vraiment de tout cœur que cette vidéo les perd du net. Les pépites de YouTube 2. Pourquoi chaque fois je m'invente des trucs? Vous avez plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez la suite. Et pourquoi pas dans la suite faire les pires Musical.ly. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et du coup, je sais que ça vous avait énormément plu. Et je crois, sans déconner, que là, plus on monte dans le temps, plus les pépites grimpent. Hein. Sans déconner, hein. Je crois qu'on tombe sur des trucs incroyables. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. De toute façon, tout est listé dans la barre d'infos. Ainsi que Steam, tu faisais... Je crois que tu m'imitais que t'étais là. Ainsi que Steam, donc ensuite... Attends, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao.